Depuis une semaine, un bus pas comme les autres circule sur le réseau de Bordeaux Métropole, le Blue Bus, un véhicule entièrement électrique. Cet autobus de 12 mètres assure la liaison entre Bordeaux-Lac et Villeneuve-d'Ornon jusqu'à vendredi. L'objectif de la ville, remplacer par des véhicules électriques les derniers bus qui roulent au gasoil. On l'avait fait avec le tramway. Le tramway est un véhicule plutôt vert. Il fonctionne à l'électricité et transporte aujourd'hui 65% de nos clients. Il faut aller encore plus loin pour pouvoir faire en sorte que l'air soit le plus respirable possible dans notre agglomération. Ce Blue Bus est fabriqué en Bretagne, comme ces batteries qui sont rechargées toutes les nuits. Et vous avez votre charge de batterie qui est sur ce compteur ici et qui vous indique que vous êtes à 95%. Au total, l'agglomération bordelaise va tester 7 constructeurs pendant un an sur la même ligne. Après cette phase test, un appel d'offres sera lancé en 2022 avec une condition principale. Donc on attend des constructeurs une augmentation en fait de l'autonomie. On parle de 280 km journalières d'ici 3 ou 4 ans. Voilà. Et 280 km, ça nous suffirait amplement pour pouvoir exploiter dans des conditions normales le réseau TBN avec des bus électriques. Aujourd'hui, 75% des bus du réseau fonctionnent au gaz naturel. L'objectif de la ville d'ici 4 ans, faire circuler l'ensemble du réseau à l'énergie propre.